Allez, moi c'est Ouma. Bon, maintenant, c'est carré de mon vieux qui est là. Bon, première fois, ils sont venus. On dit, monsieur le maire a demandé 15 mètres du goudron. Donc 15 mètres, ça a limité là, devant le garage. Donc on a coupé les magasins, on a fait tomber. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, bon, mon vieux m'a appelé, il dit qu'ils sont là cassés pour arriver encore. Le maire a demandé 6 mètres, que derrière le poteau. Voilà, que tout le monde derrière le poteau. Bon, on n'est pas averti. Vous voyez les dégâts, les marchandises qui sont là, voilà, tout est gâté, les voitures étaient là, voilà, il y a d'autres mêmes voitures qui sont en bas, voilà, machine est venue casser pour faire tomber, voilà, donc ça fait comme il n'y a pas droit de l'homme en Côte d'Ivoire, voilà, okay. Merci. Il est venu pour nous casser tout. À quelle heure? Il est 0-0. Ah. Et est-ce que vous avez pu récupérer vos affaires? Non, on va aller où avec ça? Il faut regarder mon point. Ce que tu as là, tu es en bas. Ah. Tu es en bas. D'accord. Vraiment. Voilà, on n'a pas reçu de papier. Ils sont venus brutalement comme ça pour pouvoir venir nous dire qu'on n'a qu'à libérer le coin à 15 mètres. Après encore, ils demandent 6 mètres. Bon, il n'y a plus rien encore à laisser dans nos mains pour qu'on puisse se débrouiller. Les pères de famille, eux, tous sont partis dans la lettre. On ne sait pas comment il faut faire. Lui-même, il est venu ici, il a dit que le travail était bien fait. Et après encore, il nous dit, il a dit que non, ce n'est pas la peine. On ne sait même pas où il faut se tuer. Les pères de famille n'auraient pas à manger. Ils se débrouillent ici pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, ça ne va pas. Donc voilà ce que je dis. Et en matière de matériel, est-ce que vous avez pu récupérer quelque chose? Il n'y a pas de matériel qu'on a pu récupérer. Tout est en bas de la terre. Tout en bas de la terre. Il n'y a rien qui a été récupéré. Et là, si je comprends bien, vous allez tout recommencer à zéro. Bon, non, c'est une manière de recommencer à zéro. On n'a rien. Donc, c'est même pour comment il faut faire. Les autorités les plus compétentes n'ont pas venu à nous aider, pour nous aider. Et c'est à quelle heure qu'ils sont venus ici? Ils sont venus vers les 11h. On ne savait pas que c'était la réalité. Donc tout d'un coup, on a vu tout, la machine est en train d'emporter tout. Ce qui rentre en bas de terre, rentre en bas de terre. Ce qui on a pu sauver ça un peu. D'accord, merci. Merci. Albert Yanni. Il n'a même pas vu la personne. On va rentrer ici, je vais venir. Non, madame, ça vous envoie.